Alors, aujourd'hui, on va vous présenter, quoi, je vais vous présenter un gameplay de Nanatsu no Taizai qui s'appelle les Seven Deadly Sins en anglais, qui est tiré du jeu, qui est tiré du manga. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire le premier chapitre, c'est-à-dire jusqu'à que Elisabeth découvre Meliodas. Je Bandai Namco. Vu que c'est un manga, on connaît. Bandai, ils ont tous les droits pour ça. On va laisser la cinématique. Très jolie au passage. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être les graphiques du jeu, ça. Donc voilà, le jeu, quoi, l'intro est finie. Donc on peut commencer. Bien sûr, le petit chargement. Nouvelle partie. Aventure. Parce que duel, j'ai compris qu'il fallait finir l'aventure pour débloquer des nouveaux personnages. Donc on va faire l'aventure. Ok, donc là c'est le dialogue entre Elisabeth, Hawk et Meliodas-sama. Je vous laisse lire en même temps que moi, bien sûr. Pour mieux comprendre l'histoire, il faut lire. Donc là, elle dit qu'elle est à la recherche des Seven Deadly Sins. Pour une énorme guerre. Ah. Cette personne capable de les vaincre, ces chevaliers sacrés sont les Nanatsu no Taizai. Ah, c'est ce moment-là où Meliodas va l'aider. Désolé si vous entendez des bruits de nez, c'est parce que je suis enrhumé. Ah, on va affronter Twigo. Ah, Meliodas. Alors, allez, on s'y met au combat, je veux dire. C'est tout, tu peux pas te respirer, le. J'espère. Si besoin, je peux te donner un entraînement de base. Ça ne pas te faire à bien. Ok, beaucoup d'ennemis sont présents. Donc j'ai le nombre d'ennemis en haut. À droite, les. Ça peut te faire un peu de dégâts, mais vous pouvez les faire, je pense. En les attaquant à répétition. Ok, donc faut spam pour. Les faire tomber. Et quand on fait équipe, on a une barre commune de PV avec avec l'autre joueur. Ok. Donc là, on a les touches. Carré. Bon, ça, on va apprendre sur le tas, on verra bien. Ah. Attaque carré, bah, c'est faible. Ça doit être comme de Dragon Ball Fighter Z. Triangle, c'est attaque forte.
pense qu'il faut tirer des attaques magiques. Ok. Ok. La première c'était un carré, ça fait quand même mal hein. Donc si j'appuie sur R1 et sur n'importe quel. Sur carré, triangle rond, ça fait des trucs. Et un jump, c'est le move spécial. Ok. Non. Ok. Donc ça c'était cool. R2 et rond, R2 et triangle, c'était la première attaque, c'est celle-là. J'ai pas testé le R2 carré. Quoi, R1 carré. Ok, donc. Carré, c'est super saut. Pixie sur la recherche rapide. R1 et L, pas de côté. On peut faire un mirage avec R1 et X. Ok, on va essayer ça. Donc là, j'ai appuyé deux fois sur X. Okay, c'est cool. Alors. Oh, super. C'est bon saut. R1. Ok, R1. Oh, il y a du bon combo. C'est un peu n'importe quoi, désolé. Je vais enchaîner le dash après le combo fait sur l'autre. Mais... Alors les cristaux magiques, ça veut dire qu'à la fin de combat, ils sont convertis en points que vous utilisez avec de nouveaux objets magiques. Ça c'est cool, il y a des objets. Que ce soit des maisons, des rochers et d'autres grands éléments, je vais utiliser les pièges magiques qui s'activent quand ils sont attaqués. Ok. C'est du carré, pas ? Cool. Non. Oh, mince. Ok. Cette pose de Meliodas. Elle me fait bien rire. Alors là, on a fini les combats. Oh. J'ai eu le trophée. On a essayé de faire deux fois, comment puis-je vous remercier? Continue à me raconter la suite. Ça c'est cool. Alors, résultat des combats. Je vais un rang B. Après j'ai pas eu le temps de faire mes trucs, mes outils. Ça c'est intéressant, oh oui. Quête du combat. Quête principale et théâtre. Ah, c'est sous forme de quête. Ça peut être cool. Ah, c'est que la quête de Dragon de la Colère. Petit spoil. Excusez-moi, il n'y a pas d'interrogation. Je pense que ça doit être affiné. Je pense qu'on va... Oh, c'est bien. C'est comme dans le manga, il va dire son prénom. Donc, très fidèle au manga. Ça, c'est bon. Alors, vous êtes... Oui, un Seven Deadly Sins. Tu n'as pas changé après toutes ces années. Ah... Ok, allez, affrontons-nous.
Affrontons-nous là. Ce serait cool. Oh, plus on a Oka avec nous. Ok, tout go. Partons. En fait, Méliodas, ce type n'est pas comme la tête que nous avons affronté. Ouais, c'est d'avant quoi. Tu devrais nous aider, Oka. Quand tu as reconnu la puissance de Miku, je vous ai fait très bon sec. Oka le crawler quoi. Dis-moi si tu as besoin d'un coup de botte. Faut que j'appelle sur bas pour avoir l'appel. Ok. Ah là il me rappelle les trucs. Ah là OK. Ah, je peux pas encore. J'ai ici là. Assez énervé le gameplay. Oh. Super cool l'enchaînement des combos et tout. Oh là là. Bon père vers ce duo. Alors, eh bien, une fois que tu as trouvé ton premier membre, je sais pas t'es une, c'est Elisabeth. Ah oui, quant aux 6 autres, je suis aussi à la recherche. Ah, c'est la raison pour laquelle je tiens ce bar, je cherche des formations. Parce que je veux avoir une jolie serveuse, ça fera un peu plus de cul. Tu auras assez l'œil aussi. Tu es d'accord pour m'accompagner? Ah. Est-ce que le destin est une simple coïncidence? Devrions-nous perdre l'espoir ou sombrer? Ça, c'est de la philosophie. Ça, c'est que mon aventure avec Messire Méliodas. Vu que j'ai pas fait de lutte, je dois avoir un vieux score. Ah, un rang S. Point de rétraction 8000. Bonus de temps 1000. Bonus de santé 1500. De frappe max 1100. Il y a des gens qui m'énervent parce que je fais pas l'interprète correctement. Ça c'est cool. Je vous ai rappelé pour rencontrer les Elisabeth Sionès, la troisième princesse du royaume. Bienvenue au Borat. Le quota nouveau sur toi, jolie serveuse. Il faut demander. Avez-vous une idée pour trouver le reste des membres du groupe? Désolé, j'ai bugué. Non. Faut sans pression. Non. Maintenant, nous allons devoir écouter les rumeurs avant de protester de l'exercice. Le Borat est là pour ça. De retenir autant de rumeurs que possible à propos de cette exercice. Celle-ci semble inutile, elle peut contenir des indices. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que tu t'amuses. Tu l'utilises, mais il faut casser l'espoir. Ah, dans le mode duel, voilà, comme je vous avais dit, j'ai débloqué Twigo.
J'ai débloqué aussi la forêt. Cool. Bon, pour cet épisode, j'espère vous avoir fait découvrir un jeu très amusant, vous avoir fait passer un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Allez, Jane.